Hey bande de gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 de Out of the Box. Et ça roule, Brian, t'es prêt? Prêt. Ok, c'est reparti pour une journée. Elle est malheureusement bourrée, donc on va l'envoyer balader. Ok, lui il peut rentrer, c'est parti. Lui il a des affaires, il peut sortir. Tac, elle c'est pareil, elle a un sac, elle s'en va. En fait, là que j'envoie les sacs et que j'y pense, j'envoie tous ceux qui ont un sac tout de suite partir parce que du coup, sinon après, je n'y pense pas. Ok, elle peut rentrer, c'est parfait. Toi, est-ce que tu as l'âge requis ou pas? Oui, tu peux rentrer, vas-y. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a? Une jolie demoiselle, juste l'âge de la sirène, l'âge ou pas? Oui, c'est parfait, tu peux y aller. Ok, nickel. Lui, il est bourré. Lui, voyons voir, il est accompagné d'une jolie demoiselle. 1980, va-t'en. Tu n'as pas l'âge requis. Ok, toi, est-ce que tu as l'âge requis? En théorie, oui, il est de 79. Parfait, c'est ça. Je commence à retenir les têtes, en fait. Lui, je crois que c'est pareil, il peut rentrer. Nickel. Elle, je sais plus. Elle peut rentrer, c'est parfait. Ok. Je peux vérifier. Elle, ta carte d'identité, s'il te plaît, tu peux rentrer aussi. Vas-y. Ok, super. Ici, lui, il est trop jeune. En plus, il est accompagné d'une bourrée, donc il s'en va. Lui, quel âge a-t-il? Il me donne des sous. Il y a 10 en bifton, ouais, mais... On t'a refilé de faux papiers, tu dois être plus attentif. Ah d'accord, ok. Faut que je fasse... Je sois plus attentif. Va-t'en. Filé, je vois le genre. Bye. Toi... Vas-y, tu peux rentrer. En gros, j'ai laissé quelqu'un que j'ai pas vérifié en fait, parce que j'ai pas vu de faux papier. Faut que je fasse gaffe. La forme, tu peux voir vos papiers. Ouais, tu peux y aller. Toi. Quoi? Va-t'en. Dégage. Bah, en même temps, t'as une pièce d'identité de femme. Non, allez-vous-en, vous êtes bourrés en fait. Tac, tac, tac. On s'en va. Toi, t'as une mallette, mais je dois te laisser rentrer, toi. Hey, salut, alors quoi de neuf? Pas grand-chose, la routine. Reste quand même sur tes gardes, mon pote. Ça ne durera pas, tu peux me croire. Ok, super. Vas-y, tu peux rentrer. Pas besoin de me le dire. Ok, super. Toi, tu peux rentrer aussi, normalement. Son ami, quel âge a-t-il? 80, il m'attend, clairement. Tac, ok. Toi, quel âge as-tu? Ok, faux papier, va-t'en. Toi, ma belle, je crois que t'as l'âge requis. Ok, tu peux y aller. Hop, lui là-bas, il a une mallette, il s'en va. Alors, comment ça va, Warren? J'ai pas à plaindre. Ah non, lui, c'est vrai, je dois le rentrer. Arrive à me voir sur le champ. J'espère qu'il est pas trop énervé. Vas-y, rentre. Bref, toutou, super charmant. Voyons voir ce qu'on a. Toi, est-ce que t'es trop jeune? Est-ce que t'as l'âge requis? T'es trop jeune, va-t'en. Ok, là ça commence à s'impatienter, la jolie demoiselle ici, quel âge a-t-elle? Ok, sa copine, ok, vous pouvez y aller toutes les deux. Ok, toi tu peux y aller aussi, vas-y, tranquille. Là tous ces gens sont bourrés, elle aussi, lui il est accompagné de gens bourrés, ils sont bons. Donc j'envoie tout ça balader, hop, toi va-t'en. Comment ça, il est pas content? Hey, c'est quoi le problème? Ça fait des heures, j'attends. Alors calme-toi déjà, s'il te plaît, tranquille. Ok, c'est bon le patron, je vais essayer de me calmer, c'est bien. Tu te calmes, c'est super. Quoi, toi aussi, t'es pas content? Calme-toi. Silence, on n'entend plus. Ok, ok, pardon. Ok, super, bonsoir, j'ai attendu. Ah, vous êtes sur la liste des VIP, c'est ça? Mais vous ne me reconnaissez pas, on dirait génial idée. Je suis Daniel. Ah, pas du tout. C'était à la télé, ça ne me dit vraiment rien. Quand même, imaginez-moi courir sur une plage au ralenti. Non, je ne peux pas, mais je vais vous faire confiance. Daniel, je sais pas quoi. Vas-y, rentre. Entrez. Très bien. Lui? Quoi? Chaud? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça, Warren? Ok, elle a des souvenirs, hein? Ah, chaud. Il me faut ces pilules. Ok. D'accord. Wow. Je m'attendais pas à ça, en fait. Pas du tout. Si je disais que c'est mon anniversaire, on l'a jamais entré. Très drôle. Ah, je m'attendais pas à ça, j'étais perturbée en fait. Waouh! T'es trop jeune, attends. Ah, purée. Ok, très bien, en plus on a des bugs, super quoi. On n'est pas rendu. Ah non, j'avais pas vu lui! Eh, je commence à en avoir marre, maman. Calme-toi s'il te plaît. Calme-toi. Bah non, je sais pas. Tiens, vas-y, rentre. Quoi? Calme ta joie?
Salut, j'imagine que vous vous souvenez de moi, forcément. Et je me souviens aussi d'autres invités. Ah oui, c'est bon, il me donne mes sous, nickel. Vous êtes sérieux? Je m'y attendais pas. Pourquoi m'avez-vous aidé alors? Je me faisais un peu chier, je crois. Bon, bah, je vais y aller. Encore merci pour le prénom. Je m'avais vraiment sorti d'un merde. Je ne l'oublierai pas. Du coup, c'est l'amende que je me suis mangée, quoi, qui va me payer. Quoi de neuf? Donne-moi ta carte d'identité, s'il te plaît. Ok, c'est bon, tu peux rentrer. Vas-y, super. Tout ça, c'est bourré, toi. Toi, t'avais quelqu'un de bourré, tu t'en vas. La petite Jonathan, là, quel âge a-t-elle? Ok, parfait, tu peux rentrer. Hop là. Ok, toi, quel âge as-tu? Hop là, t'es trop jeune, va-t'en. Lui, j'avais pas vu. Quel âge as-tu, s'il te plaît? C'est pas ta carte d'identité, ça, va-t'en. Ok, tout cela, on peut les laisser partir, ils sont tous bourrés. Hop, hop, hop. On expédie ça rapidement. Tac. Ça, c'est pareil. On expédie ça rapidement. Et elle, c'est pareil. On expédie tout ça rapidement. Ok, Marianne, ton service est terminé. À la semaine prochaine. Alors, voyons voir le résultat de cette journée. Extra 50, pénalité 10, hôpital 20 encore. Total 195, on est pas mal. Hein. Alors, voyons voir. Alors, Marianne, comment ça va le boulot? Ça se passe plutôt bien. Plutôt? Je débute encore, il va me falloir encore un peu de temps pour prendre mes marques. Je vois. Et au niveau de ce dont je t'avais parlé la dernière fois, je ne vois pas bien de ce que vous voulez dire. Harry t'a-t-il demandé de faire quelque chose de louche? Pas du tout. Ce club n'a rien de spécial, il est comme tous les autres clubs. Eh bien, j'ai quand même un peu l'impression que Harry fait tourner une autre affaire en parallèle entre ses murs. Tu vois, on va dire ça. Quel genre d'affaire? Oh, des valises bourrées d'argent, de drogue n'arrêtent pas d'aller et venir. Harry m'a demandé de regarder ailleurs. Les gens entrent avec des valises? Certains. Je ne suis censée laisser entrer personne avec une valise ou un sac, mais Harry m'a dit d'ignorer cette règle avec certains de ses gars. Je vois. Quoi d'autre? T'ont-ils demandé de tuer quelqu'un? Non, je l'ai dit à Harry, je vous l'ai dit. Je ne veux rien avoir à faire avec des trucs illégaux. C'est pas toi le type qui laisse entrer des gens avec de la drogue? C'est toujours mieux que de me retrouver une fois de plus avec du sang sur les mains. Ouais, c'est Zéphan, mais ça ne change rien au problème. Je vais en toucher deux mots à un ami à moi. Il pourra peut-être faire quelque chose. On ne peut lui faire confiance? C'est un ami à moi. Tu peux lui faire confiance. Ouais, enfin là, je vous fais même pas confiance à vous. Oui, je trouve ça blessant. Alors que pourrait donc faire un vieil agent de probation pour mériter ta confiance? Je ne pense pas que ce soit possible. J'espère que tu changeras d'avis avec le temps. On se revoit dans quelques jours. Ouais, ouais, bye. En vrai, c'est totalement comme dans Paper Please avec des trucs à choix et tout. Ok, alors c'est parti. Ce soir est une soirée haute. Pour certains événements, les clients devront te montrer un ticket portant un tampon spécial. Regarde dans ton porte-bloc. Clique sur l'onglet orange. Tu as ici un modèle de ticket spécial qui peut te servir de référence. Ok. Ce ticket ne se valable qu'à certaines occasions. Du genre quand il y a un concert, pour l'anniversaire du club ou pour des soirées privées. Tu vois quoi. Assure-toi que tous les clients disposent bien du même ticket que ton modèle de référence. Il est très important que le tampon soit exactement le même au niveau de la forme et de la couleur. N'oublie pas de vérifier également le texte. Aujourd'hui, c'est soirée hot parce qu'il va y avoir des scripteaseuses. Alors, assure-toi que ça dit la même chose sur tous les tickets. Ok. Pas mal de gens vont chercher à entrer avec de faux tickets. Il va falloir ouvrir l'œil. Ok. Bon, tu peux te mettre au boulot. Ok, c'est parti. Du coup, alors je demande les papiers à tout le monde. Ah bah, c'est des SDF de toute façon. Il va falloir qu'ils s'en aillent. Hop, hop, hop. La demoiselle ici présente. As-tu ton ticket? Soirée hot, ça a l'air pas mal, 1973. Elle peut y aller. Vas-y. Ok, parfait. Ici, on a tout un groupe. Fais-moi voir ça. Tac, c'est parfait. Quoique, t'as pas le truc on, donc tu ne peux pas rentrer. Ok, tout le groupe part. La jolie demoiselle ici présente. Elle. Quoi? C'est pas elle du tout. C'est un nom. J'ai failli la faire rentrer en mode oui, c'est bon, elle a le ticket, machin, mais pas du tout en fait. Lui, je pense qu'il est trop jeune. Ah non, pas du tout, 1976, il a le ticket, il peut très clairement rentrer, vas-y. Hop, la jolie demoiselle ici présente. Elle a le ticket, soirée hop, c'est nickel. Ok, sa copine, est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut aussi ou pas? Oui, tout est nickel, c'est parfait, elle peut y aller. Ok, lui, c'est à son tour, il a un petit sourire narquois. Il a tout, c'est bon, on peut le faire rentrer. Ok, lui, voyons voir. Non, c'est elle, pardon. Oui, vas-y, tu peux y aller, t'as tout ce qu'il faut. Ok, ici c'est bourré, donc je vais éviter de regarder ça. Elle, il me semble qu'elle a l'âge requis. Oui, elle a le ticket, elle peut y aller.
Parfait. J'ai pas encore vu de tickets falsifiés, donc j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. 976, c'est bon. Et la fille qui l'accompagne. Oh là là, c'est un nom. C'est un nom, c'est un nom. Ok. Quoi? Putain. C'est dégueulasse. Si en plus il commence à bugger, c'est horrible. Oh là là. Ça nous fait perdre du temps. Ça le fait bugger. Ça, c'est pas le bon truc. Il est pas pareil le ticket bat. Hein. Oh là là, lui il est bourré. Oh, salut Ariane, alors ça roule? Ça va, cool. Ça ne doit pas être facile de rester planté là toute la nuit. Oh, on finit par s'y faire. Et on me la fait pas, moi. Je connais le genre de mec qui se pointe et je ne parle pas des clients. Disons juste que je n'ai pas à me plaindre. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux me croire. Ok, vas-y, tu peux rentrer. Soyez pas idiot, je viens de vous dire que j'aime bien pas voter avec vous. Vous n'aimez pas voter avec moi? Non, sûr que si. Vous êtes quelqu'un d'agréable. Tu m'étonnes. On devrait essayer de se barrer un truc être. Histoire de prendre un verre, qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, pourquoi pas, comment perdre son temps? Vous avez accepté, vous ne pouvez plus défiler, vous ne pouvez plus vous défiler désormais, ça n'arrivera pas. Cool, bon allez, il faut que je rentre maintenant. Ok Alice, à plus. Comment perdre son temps à papoter avec la femme de notre patron? C'est pas le meilleur des deals. Vous deux, voyons voir, t'en as marre d'attendre, de toute façon t'as une mallette, donc va-t'en en fait, je t'explique. Va-t'en. Ok, lui il a une mallette, c'est pareil, il s'en va, elles sont en train de se disputer, super, on adore. Les filles, on se calme. Ouais, c'est à moi que vous parlez, je n'ai rien fait. Il s'appelle le maquillage, sérieusement. Calmez-vous, non? Allez-vous-en. Ok, elle a un sac, de toute façon c'est mort lui. Encore? Il y a un moment, faut que ça s'arrête, c'est dégueulasse, c'est horrible. Je veux pas voir ça. Ok, vas-y, tu peux rentrer. T'as tout ce qu'il faut. Nickel. Lui, il a pas l'air content. Fais-moi voir tout ça. Ok, c'est bon, tu peux rentrer. Oh là là, les gens, ils sont pas contents. Arrêtez de vous bagarrer. Calme-toi. Oui, c'est bien, tu t'es calmé. Là, c'est pas content. Montre-moi tes papiers, ma belle. Ok, tu peux rentrer. Et lui, il peut rentrer ou pas? Il peut pas rentrer, il a des faux papiers. Faut pas avoir un VIP. Bonsoir, je suis Curtis Lewis, je suis sur la liste des VIP et je ne veux pas porter ici une seconde de plus, compris? Oui c'est bon, tu peux rentrer. Pas trop tôt, la blague. Elle, elle est pas contente à côté ici. Ouais, ça te saoule, je sais. De toute façon t'as un sac, tu peux pas rentrer en fait, je t'explique. T'as un sac et en plus ça te faut papier, la totale. Toi, voyons voir ce que t'en es. Des papiers valides, un truc... Il faut faire rentrer plus de clients. Oui, oui, bah oui, je m'en doute. Tes papiers, tu peux rentrer, c'est nickel. Ok, parfait. Voyons voir ce qu'on a. Une petite demoiselle juste là. 1980, soirée. Je crois qu'elle a falsifié son papier. En dessous, il y avait un petit truc. J'ai pas fait gaffe. Ici, c'est bourré, ça va attendre. Tac. Ok, là, bah lui, c'est toujours aussi long. Bah ouais, c'est toujours aussi long. De toute façon, t'as falsifié tes papiers, donc tu dégages. Hop, ici le groupe. Le groupe. Il faut faire que tu montes tes papiers, ton âge c'est nickel. Toi, tes papiers, ton âge c'est nickel. C'est pas nickel, va-t'en. Ça fait partir le groupe. Ok, ici la jolie demoiselle qui est là. Devant on a des drogués et des alcooliques, donc on va éviter de les faire rentrer. Elle, elle peut rentrer. Lui, voyons voir, je crois qu'il a pas l'âge requis. Si, il a l'âge requis, il a le ticket, c'est nickel. Il peut y aller à son tour. Est-ce que tu as l'âge? Oui, tu as l'âge, tu as le ticket, tout est parfait, tu peux y aller. Ok, la jolie demoiselle ici présente. Ok, c'est bon, elle peut y aller. Hop. Non, en fait, le truc de tout à l'heure était valide, c'est juste que j'ai cru que ça... Ok, c'est pas sûr, tu as papier, faudrait que je vous montre ailleurs. Lui, il a pas de mon papier. Il s'en va. Le monsieur ici présent, c'est pas à vous de me juger. Jusqu'à, s'il te plaît, va-t'en. Hop, lui... Scott Brooks, machin, il a pas le ticket, il peut pas rentrer. Super, on adore. Elle, j'avais pas vu. Ah bah, de toute façon, elle est accompagnée. Allez-vous-en, vous avez trop bu. Toi, ma jolie. Tes papiers, 1975, c'est bon. Ok, tu peux y aller. Il y a plein de types de cartes d'identité différentes. Hop, allez-vous-en. Vous avez trop bu, toi, c'est pareil.
Idem pour toi. Idem pour toi. Par contre, j'aimerais bien faire rentrer plus de monde. Hein. C'est pareil. Ok, Marraine, on arrête là. À la semaine prochaine. Ok. Bah, j'ai pas fait rentrer grand monde, non, ça m'embête. Ah, le retour de la jolie demoiselle Lise. Qu'est-ce que vous faites là à cette heure? Eh bien, j'ai déjà rentré. Mais je ne suis pas du tout fatiguée. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il me semble qu'on avait parlé d'aller prendre un verre. Là, maintenant? Si vous êtes d'attaque. Ok, je suis juste un peu surprise, je n'avais pas prévu de faire quoi que ce soit ce soir. Moi aussi. Cool, eh bien, allons-y. Une minute, vous voulez dire ici? Ou d'autres fois, on doit aller? C'est pas comme s'il restait beaucoup d'endroits vers une heure pareille. C'est pas faux. Alors, le boulot, ça roule? Vous avez l'air d'avoir pris le pli assez vite. Disons que j'apprends vite. Ah, j'aimerais pouvoir en dire autant. C'est dur depuis un petit moment, mais je ne suis toujours pas habituée à cet endroit. Comment vous êtes-vous retrouvée ici, si je peux me permettre? On en reparlera peut-être une prochaine fois. Ok. Vous êtes mariée? Je l'ai été, mais c'est fini. Oh, désolée. Je n'aime pas avoir les couples se séparer. Qu'un lien apparemment aussi fort puisse finalement être brisé, ça me rend triste. Nous avons quand même eu une fille, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes encore en contact. Ah, ça c'est magnifique. On ferait vraiment n'importe quoi pour ses enfants, pas vrai? Vous aussi, vous avez des enfants? J'ai un petit garçon, madame. Elle veut parler de tout, mais une prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois? Oh, je ne sais pas. Ça vous plairait? Bien sûr, pourquoi pas? Je pense pas que ce soit une bonne idée. On ne veut pas satiser la haine de notre patron. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu vois, je veux dire, je vous aime bien, mais c'est vraiment sympa de discuter avec vous. Mais vous êtes avec Harry, et je ne voudrais pas avoir d'ennui, forcément. Non, eh bien, je vais rentrer chez moi. Vous voulez que je vous raccompagne? Pas la peine, si Harry l'apprenait, ça ferait encore des histoires. Je vais prendre un taxi. Bon, ok. Ok, j'imagine qu'il va y avoir... Enfin, là, on a plusieurs choix à faire, en fait. On a eu le choix avec notre agent probatoire, on a le choix avec Liz. Enfin, je pense qu'on va avoir tout un tas de choix, et j'imagine qu'une fois que j'aurai terminé cette partie, il y aura d'autres routes. En fonction de mes choix, en fait. Et du coup, bah, je les testerai volontiers. Finalement, j'ai fait un bon revenu. J'ai eu que 10 de pénalité. Et puis le reste, bah, franchement, nickel. On a fait 280, c'est pas mal. Ok, du coup, on va arrêter l'épisode là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.